Bonjour, il ne reste plus que 4 équipes en course, 2 seulement décrocheront leur billet pour le match que tout joueur rêve de disputer. Grégoire Margoton, accompagné de Darren Tullet, qui nous livrera ses analyses. L'hymne national est toujours un moment très solennel. C'est parti pour cette rencontre. Essaye de mettre ce ballon dans la surface. Très bonne lecture du jeu. Messi maintenant. Frappe. Oh, l'inspiration. Il a eu raison de la boxer. Mais comment il peut manquer ça? Bon, il n'y a pas besoin que je l'enfonce. Il a fait tout seul. On se contre peut aller au bout. Jeu bien joué, l'arbitre assistant. On cherche un coéquipier dans l'axe. On a atteint la 15e minute de cette première période. Mauvais choix. Il peut frapper d'ici. Yevda, c'est loin du cadre. Il a fait n'importe quoi et là je suis gentil en plus. Zabaleta. Campaniaro. Il frappe. Ça passe loin. Magnifique travail du gardien qui a bien fermé l'angle, poussé à l'erreur. Une intervention de grande classe. Au chronomètre dans cette première période. Il est seul, il peut frapper. Il va se présenter devant le but. Il était vraiment à deux doigts de marquer. C'était bien joué, mais ça suffira pas. C'était une superbe course. La facilité avec laquelle il efface ses adversaires. Incroyable. Il ne peut plus s'appliquer sur ses ballons. Il peut aller loin. Yepta. Pour trouver la faille dans la défense. Attention au positionnement, il est hors jeu là. Regarde ce ballon. Vous savez que la rivière seule.
sortir. Un carton jaune, normal, justifié. Maintenant, il faut se méfier, le rouge n'est pas loin. La défense a fait du super boulot, ils ont bien connu cible dans cette rencontre. Le coup d'envoi a été donné début de la seconde période. C'est interdit de se comporter comme ça, faute. Thank you.
Le score est maintenant de 3-0. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Il faut tout dire maintenant. C'est à quelques minutes de la finale. Ils ont toujours le ballon. Et ce ballon va remonter très vite.